Voici un design réalisé par Avenir Permaculture pour un projet d'habitat collectif et intergénérationnel. Les habitants sont organisés en association et bénéficient de logements basse consommation, d'un espace commun au rez-de-chaussée et de ce terrain de 700 m². Nous avons donc proposé un aménagement permaculturel du site pour créer un espace à la fois productif, diversifié, ornemental, fonctionnel et écologique. Nous nous sommes donné le thème de la durabilité. D'abord à travers le parcours infini qui permet à chacun de déambuler d'une zone à l'autre de la meilleure façon, une petite pharmacopée vivante présente sur le talus, un espace sain et bon pour la santé qui nous permet de mieux vivre et plus longtemps, jusqu'au boulot produisant l'élixir de longue vie. Nous avons donc proposé des petits fruits pour protéger un peu l'espace de chacun, des plantes aromatiques et médicinales pour les usages culinaires à portée de main, quelques fruitiers nains tempérant un peu cette exposition méditerranéenne. Le talus donne sur le potager en carré, stratégie idéale pour rationaliser le jardin avec clarté, tout en permettant un travail collectif, à hauteur d'homme et sans travailler le sol. Les haies autour du terrain et près du potager ont été conçues pour attirer les insectes auxiliaires des cultures et autres pollinisateurs. Quelques fruitiers et plants de campagne s'y sont aussi dissimulés. En sortant du potager, on entre dans un îlot forestier composé d'arbres pionniers et de lisières, participant tous à la bonne santé de nos habitants. Ensuite, un petit verger de plein vent qui est composé de pommiers, de poiriers, de nachis adaptés au climat et à la terre. L'herbe qui y pousse sera fauchée maximum 2 fois par an pour permettre à la biodiversité de s'installer. Enfin, près de l'espace rencontre installé sous le saule pleureur, un espace aquatique équipé de son bassin filtrant et attirant une biodiversité incroyable. En effet, toutes ces petites bêtes ont besoin de boire. Nous avons préservé un espace de pelouse pour toutes les bonnes raisons que vous connaissez, et en installant quelques petits fruitiers ici ou là, nous avons essayé d'étaler la production sur toute l'année. Je vous passe bien des détails, mais je crois que vous avez compris le principe. Nous avons fait de notre mieux pour répondre aux contraintes, aux besoins et aux envies du projet, et avec une créativité dont nous ne sommes pas mécontents.